14, 15, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, on va le mettre là, celui-là il sera bon. L'amorce en fait c'est juste une base, c'est juste pour attirer le poisson en fait. C'est juste pour le faire venir sur le con. Parce que dans cette période de l'année le poisson il mange pas l'amorce. Il vient juste pour l'odeur et après il mange ce qu'il trouve à l'intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur on va y rajouter du fouillis. C'est des vers de vase avec un peu d'asticot. C'est ça qui va tenir le poisson surtout. Si on en met trop le poisson il vient et il mange le fouillis des asticots. Et après il se gave et il s'en va. Ou alors il reste sur le cou mais il mange plus. C'est pour ça. L'amorce, je pense, c'est juste une base pour l'attirer. Une question de couleur. Une couleur pas trop claire pour les gardons. Une couleur un peu plus claire pour les brèmes. C'est ce qui fait la différence. Hein. Les couleurs plus claires ont plus tendance à attirer les gros poissons. Et ont tendance à attirer aussi les petits. Mais l'inconvénient quand on pêche des petits poissons, c'est que si on met une amorce trop claire, ils se voient plus sur la tache d'amorce. Ça a tendance à attirer les carnassiers qu'on ne recherche pas. Parce qu'au contraire, dès qu'on a un carnassier sur le cou, c'est fini. Il n'y a plus rien, on n'attrape plus rien. Les poissons sont perturbés et morts de plus, en l'occurrence. C'est pour ça que là, on a fait une amorce quand même assez sombre. Une amorce classique d'hiver, quoi. L'eau n'est pas trop claire. Ça varie aussi beaucoup avec la couleur de l'eau. Voilà. Là, l'amorce, on peut encore la mouiller un peu. Elle n'est pas encore assez mouillée. On va la laisser un petit peu gonfler. Voilà, là, la boule est compacte mais encore un peu fragile. Donc on va attendre un peu qu'elle gonfle, qu'elle soit un peu plus collante. Comme ça, ouais. Ça donnera un bon aspect à l'amorce. Voilà. Ça permet aussi d'aérer l'amorce. Ce qui fait qu'elle travaillera beaucoup mieux sur le fond. Voilà. Bon tamisage. Des fois c'est une réussite de pêche. Bon. C'est... On y croit ou on n'y croit pas. Hein. Tous les jours, il y a quelque chose à découvrir. On se rend compte encore de certaines choses. Parce qu'il y a tellement de variétés d'amorces, en fait, qu'on est obligé d'en apprendre tous les jours. Voilà. Quand on aura mis des amorces comme ça à l'eau, de toute façon, hein, si elles viennent pas là, hein, elles viendront jamais. Hein. C'est quand même assez physique, la pêche de compétition. Hein. Pensez qu'il faut se lever de bonne heure, il faut mouiller l'amorce, il faut préparer le matériel. On passe des heures à préparer du matériel. C'est sûr que la chance fait beaucoup de choses. Et après, il y a le pêcheur. Parce que c'est pas tout d'avoir des poissons. Il y a des gens qui ont plein de poissons des fois sur leur amorce. Mais qui arrivent pas, plus ou moins à pas les attraper. Quoi. Et quand on vient seul, c'est vrai qu'on pêche n'importe comment, on en attrape. Que quand on vient en compétition, déjà le poisson, quand on y est 80 en ligne, le poisson il a plus ou moins peur. Donc il réagit de façon autre qu'à l'entraînement. Puis à l'entraînement, autant on va venir, on va attraper plein de brèmes, plein de gardons, des gros poissons. Et le jour de l'entraînement, et le jour du concours, ça va être des petits poissons. Il faut aimer se battre déjà. Parce que si on vient à la pêche pour s'amuser, on va pêcher tout seul. On vient pas dépenser de l'argent, entre autres, on va dire, pour faire un concours, pour participer. Parce qu'autant on fera pas de poissons. Donc autant venir seul. Quand on vient en concours, on a ses voisins, on se connaît plus ou moins. Donc on se tire plus ou moins la bourre entre nous pour voir qui c'est le meilleur. Parce qu'on se connaît tous, on va dire. C'est pour ça que c'est bien. C'est ce qui fait l'effet sportif. Quoi. Le combat, il est contre le pêcheur, entre autres. Parce qu'il faut essayer de gagner son voisin à tout prix. Enfin, ses voisins, tous les pêcheurs. Et le poisson, c'est un autre combat. Parce que le poisson, après, c'est une question de... Je pense que c'est une question d'intelligence. À force d'être pêché, il comprend plus ou moins les techniques. Après, au bout d'un moment, il sait comment ça se passe. Donc, il est beaucoup plus méfiant. Le secteur, apparemment, il n'a pas l'air mauvais. Maintenant, il faut voir les pêcheurs qu'il y a dans le secteur, si c'est des bons pêcheurs ou pas. Ça aide d'avoir des pêcheurs un peu moins bons. Voilà. Là, je procède au sondage. Bon sondage, c'est bien primordial. Être à ras du fond. Être à ras du fond sur tout ça. Parce qu'on va jeter l'amorce. L'amorce va être au fond, donc automatiquement,
le poisson sera au fond. Il arrive des fois, on ne sait pas pourquoi, il monte un peu, il monte à 20 cm de la surface, alors qu'on a mis l'amorce au fond. C'est la réaction du poisson. Là voilà, là j'ai trouvé un beau fond. J'ai un fond qui est assez propre apparemment, bien plat. Voilà. Là j'ai opté pour pêcher à 13 mètres. Voilà. Voilà, j'ai un très joli fond. Bien content. J'espère que le poisson il sera content aussi. Et je vais sonder tous mes kits pour avoir le même fond partout. Les kits, ce sont des cannes qu'on rajoute au bout d'une seule canne. Ce sont des embouts de canne. Voilà. Ça, c'est-à-dire, moi j'en ai 4. Il y en a des fois, ils arrivent au bord de l'eau, ils en ont 15, 20. Moi j'en ai 4, c'est déjà pas mal. Je pense qu'avec 4, c'est déjà un bon pourcentage. Là, obligatoirement, on a un élastique qu'on met en bout de ligne, comme ça au moins ça permet de maîtriser le poisson et puis ça permet d'éviter la casse surtout. Parce que des fois on pêche avec du tout petit fil, puis il arrive que le poisson il soit un peu plus gros. Et ça évite de casser, ça évite de perdre le poisson, qui bien souvent fait gagner le concours. Et on a différentes tailles. Là j'ai mis du petit parce que c'est du petit poisson que je cherche. Enfin, petit poisson que je cherche. Quand je dis petit poisson, c'est des poissons entre 20 et 300 points. Une fois que c'est au même niveau, le fond il bouge quasiment pas ici. Voilà, j'ai mis un flotteur plat à 1 gramme. Maintenant je vais regarder si mon flotteur plat il est pas trop léger. Savoir s'il sera bon ou s'il faudra le changer. Encore un peu de temps pour se préparer. Et voilà, impeccable. Voilà. Alors ceux-là ils sont trop légers pour être envoyés en face, même pour être frondés sous la canne, parce que ça coule beaucoup moins vite. Donc ça et ça. Donc ceux-là j'en mettrai un peu dans l'amorce. Ensuite il y a le fouillis. Alors ça c'est les vers de vase. Plus on a des jolis vers de vase, mieux c'est. On les met dans du journal pour les garder humides. On n'en trouve pas partout. Ils sont beaux, ils sont durs. Ils tiennent bien à l'hameçon. Ça évite d'avoir trop de décrochés. Voilà. Et dans chaque concours de pêche, ça c'est limité. Aujourd'hui, c'est limité à 1,5 litre. Aujourd'hui, on a droit à 1,5 litre de vers de vase et 1,5 litre d'asticot. Si ça rentre pas, c'est qu'il y en a trop. Voilà. C'est parfait, donc je triche pas, c'est impeccable. C'est ce qui permet d'attirer plus ou moins le poisson. Hein. Voilà, ça fera des belles boules bien rouges, histoire d'attirer le poisson rapidement. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'à manger, il n'y en ait ni trop, il faut surtout qu'il n'y en ait pas trop, pour pas gaver les poissons. Une fois qu'ils ont trop mangé, ils ne mangent plus, malheureusement. Mais il faut quand même qu'il y en ait assez. Pour les tenir sur le coup. Au départ, le poisson, il connaît, il a l'habitude de l'amorce, donc il vient de suite normalement. Non. Après, ça dépend, hein. Ça dépend de l'état d'humeur du poisson, l'eau, la température. Là, je pense qu'on va prendre du poisson de suite. L'eau est pas froide. Ça a sauté un peu, histoire de mettre confiance. Et je pense qu'il y aura du poisson à prendre. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les boules d'amorce. Pas grave, doucement. Allez, c'est parti. Si tu veux. Doucement. Allez, c'est parti pour 4 heures.
Hop, prends des freins. Joli gardon. Plus joli poisson déjà. Ça, ça fait plaisir. En fait, on surveille pas trop au début. Ce qu'on surveille, c'est surtout c'est en cours de pêche. Voilà, mon voisin, encore un poisson. Voilà. Je pense que ça va être une pêche à l'amour, comme on dit. Plus on en fera, mieux ce sera. Et c'est... Ah, décroché. Voilà, ça c'est un joli gardon. Voilà, joli poisson. Allez, on va le monter. Hop, on n'a pas peur. C'est bon, il monte. Ça, c'est parfait. C'est sûr, quand on fait du poisson, on est toujours content. Toujours content, mais bon, là il faut regarder sur tous ses voisins, voir s'ils nous battent ou pas. Ça c'est primordial. Si jamais il y a des gros poissons qui passent. Petit gardon. Hop, on remet une dans l'eau. Voilà, c'est le gardon. Je pense être deuxième ou troisième à ce cœur. Le maximum troisième. Deuxième, je ne sais pas, parce qu'il y a l'autre qui est un gros poisson. Donc ça va, je me suis bien amusé. Ça a été régulier tout le long. Ouais, là, c'est le dernier coup qui vient de sonner. Là, il va rester maintenant 2-3 minutes. J'ai pas fait attention à ma montre quand ça a sonné. Mais sinon, ça va, il y a eu du poisson pour tout le monde, apparemment. 3 heures, 4 heures de galère. Mais une bonne galère quand même. Si ça pouvait être comme ça tous les dimanches, on s'amuserait un peu mieux. À la pêche. Et merde. Non. Okay. 3250.